soir à tous. Et comme chant d'entrée, nous prendrons signe par milliers à la page 588 et nous lirons les couplets et nous chanterons le refrain. Nous avons les couplets 3, 5, 6 et 7 à la page 588. Signe par milliers, passe de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans l'histoire. Jésus, ton Fils, nous a donné des signes de clarté. Par lui, l'aveugle voit, le sourd entend sa voix. Sachez, partage grand, Dieu, parole qui surprend. Signe par milliers, grâce de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes d'unité, le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, la table partagée, Dieu la fête réveillée. Signe par milliers, grâce de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Témoin choisi, que nous soyons des signes. Des signes d'avenir, un peuple de croyants, disciples du vivant, l'Église a découvert, Dieu soleil sur nos hivers. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Par ton esprit, tout homme soit assis, un signe de l'amour, la source pour la soif, le rire d'un espoir, la paix à fleur de vie, Dieu, lumière d'aujourd'hui. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Nous sommes réunis cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Et cette célébration est tout particulièrement avec auprès de Louise Antoinette Royatier, dont c'est la messe suite aux funérailles. Bonsoir et bienvenue à tous. Les lectures du jour parlent de lépreux que Jésus côtoie de près et guérit car il voit leur foi. Aujourd'hui, nous avons la pandémie dans le monde et comme des lépreux, nous devons crier vers le Christ et l'implorer. Alors, nous grandirons dans notre confiance et notre amour pour Dieu. Et de nous aussi, le Seigneur aura pitié et nous sauvera. Croyons en sa miséricorde. Bonsoir à chacune et chacun. Alors, aujourd'hui, en effet, nous sommes interpellés sur l'attitude de Jésus vis-à-vis de cet homme. Et nous entendrons dans les lectures qu'en effet, les lépreux étaient à cette époque-là plus que excommuniés. Mais est-ce que nous n'avons pas aussi tendance parfois à exclure d'autres personnes parce qu'elles ne partagent pas les mêmes références que nous? Est-ce que parfois nous n'avons pas tendance à exclure Dieu lui-même de notre
d'action de grâce, demandons à Dieu toute la tendresse de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, vous pardonne votre péché et vous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, celui qui sans cesse vient nous relever quand nous tombons. En refrain du psaume, nous prenons
ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi, ainsi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Je ne vous ferai pas l'affront de vous citer des exemples dans
de nombre de gens, qu'on rejette ainsi les intouchables en Inde ou ailleurs, les SDF, les gens à cause de leur couleur de peau, de leur taille, de tout un tas de choses, et puis sans parler des SDF, des Roms, des migrants. Et on pourrait même rajouter d'ailleurs les personnes parfois laissées oubliées dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, et puis les sortants de prison, les repris de justice. Et puis nous savons bien que dans beaucoup de pays, c'est aussi à cause de leur foi que les gens sont rejetés. Alors face à cette indésirable réaction de Jésus, qui est loin de toute loi, de toute règle régissant cette société juive, et même de ce que la science pourrait sans doute demander, lui simplement est saisi de compassion. La traduction, c'est miséricordieux, ce nom qu'on entend, ce mot qu'on entend souvent, miséricorde, saisi de compassion. Et là, après le scandale de celui qui a osé s'approcher, scandale de celui qui, par amour, va se rendre proche de celui que la vie a mis sur sa route. On pourrait dire scandale de l'amour. Mais pour l'homme, c'est une nouvelle naissance, un renouvellement. Lui qui était exclu par essence même, va non seulement prendre toute sa place dans la société, retrouver sa dignité, mais va même devenir le centre de beaucoup de discussions. Parce que comment se taire ? Certainement qu'il est allé voir le prêtre, mais les autorités religieuses de l'époque, seul apte à le remettre pleinement dans la société. Certainement qu'il a rempli tous les papiers, parfois même en 10 exemplaires, fait tous les tests médicaux imposés pour qu'on reconnaisse son nouvel état, sa nouvelle vie. Comment se taire ? Et pourtant, c'est ce que celui qui l'a guéri lui a demandé. Alors, oui, il parle. Mais l'effet est certainement pas celui qu'il attendait. Parce que du coup, celui qui l'a guéri, ce Jésus, devient à son tour, si j'ose dire, un lépreux. Non pas par la maladie, mais par le fait que désormais, il est tenu à l'écart. Il ne peut plus rentrer dans les villes. Il doit rester dans des endroits déserts. Mais finalement, Marc, dont nous finissons le premier chapitre, veut juste nous faire déjà sentir que ce prophète, celui dont la parole fait des miracles, sera souvent tenu à l'écart, en particulier par les autorités. Alors, deux enseignements à cet évangile. Le premier, c'est qu'en effet, on a sans doute à faire attention de notre manière dont nous parlons de Jésus, dit autrement de la manière dont notre vie témoigne de notre foi. N'oublions jamais, et c'est souvent répété chez Marc, que Jésus a demandé en premier aux esprits impurs chassés de ne rien dire, de ne pas dire ce que eux savaient de lui. Parce que Jésus n'a que faire d'une étiquette qu'on lui collerait sur le dos, d'un guérisseur, d'un messie, d'un grand prophète qui parle avec autorité. Lui, il ne veut pas qu'on parle de lui, mais il veut qu'on le suive. Il veut qu'on mette ses pas dans ses pas, qu'on abandonne sa vie entre ses propres mains à lui pour épouser sa vie. Le seul témoignage, c'est d'inviter à le suivre. C'est de témoigner de ce qu'il fait, lui, dans nos vies, non pas pour simplement une expérience, une anecdote, mais pour dire qu'il est celui
pour lequel on est prêt à tout donner, y compris sa propre vie. Saint Paul nous le dit dans cette lecture que nous venons d'écouter, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Et il nous disait la semaine dernière, « Malheur à moi, au sens fort du terme, si je ne témoigne pas de l'heureuse nouvelle de ce que Jésus a fait dans ma vie et qui a fait que ma vie a changé, que ma vie est devenue tout autre, parce que désormais ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. » C'est tout le sens du credo que nous professerons dans un instant. Et puis le deuxième enseignement, justement, vient de Jésus. Exclus des villages, mais rejoint dans les endroits déserts par les foules. Désormais, ce n'est plus Jésus qui vient à leur rencontre, ce sont eux, les foules, qui se déplacent, qui quittent leur village, leurs proches, leur confort, pour aller dans le désert, rencontrer le Christ. Peut-être que nous avons là une icône très actuelle de notre vie de chrétien. Il fut un temps où nos églises étaient pleines, où la foi allait de soi, était transmise comme on apprenait aux enfants à parler ou à marcher. On ne se posait pas de questions. On allait le dimanche à la messe, on retrouvait là tout le village. Parfois, en sortant de la messe, on allait au café du coin boire quelque chose, c'était le rituel du dimanche matin. C'est presque comme si c'était Jésus qui venait nous rencontrer dans nos villages, dans nos églises. Aujourd'hui, il en est tout autrement. Et c'est souvent à nous, comme les foules, de faire parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver une église où l'Eucharistie est célébrée. Parfois, il faut quitter des amis, de la famille, parfois reporter un rendez-vous pour pouvoir prendre sa voiture et investir plusieurs heures pour aller à l'Eucharistie, pour aller rencontrer le Christ, pour venir se ressourcer à lui, seule source de vie, d'amour, et quitte après à essuyer quelques remarques pour le moins parfois blessantes et culpabilisantes. Alors, à nous aussi, d'accepter parfois que le monde nous regarde un peu comme des lépreux, comme des gens qu'il ne faut pas trop fréquenter parce que leur façon de vivre et leurs valeurs sont différentes de celles que le monde voudrait prôner. Peut-être qu'il faut accepter, oui, qu'aujourd'hui la foi peut être vue par le monde comme une lèpre qui exclut. Mais après tout, n'oublions jamais que l'amour est aussi contagieux que la lèpre, et que ce que le monde appelle une lèpre est pour nous la source de tout amour, et pour nous notre raison de vivre. Alors, oui, soyons vraiment les plus contagieux possibles au nom même du Christ.
pour nous lever pour proclamer notre foi, pour non pas la proclamer du bout des lèvres, mais par toute notre vie, comme un engagement à suivre le Christ à temps et à contre-temps. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, mon Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en les enfants saints, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si tu le veux, tu peux nous purifier. Portons notre monde malade de la lèpre, du confort, de l'argent, de l'égoïsme, et demandons à Dieu de le purifier. Pour la prière universelle, nous prendrons le Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il y aura le fin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière. En choisissant ton humble servante, pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Oh.
soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir pour ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui comptent sur nos prières car ils traversent actuellement des épreuves. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Suite aux funérailles, Louise-Antoinette Foyatier. Défunt famille Rambeau, l'hôpital, Maria et Étienne Bertelier, Maurice et Yvette Bertelier, Claudette Romani, Mélanie et Antoine, leurs parents et beaux-parents, Lucien Durie, Eliane Victor, les défunts des familles Victor et Payon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Irénée, Saint Jean Bosco, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Thank you.
prendrons le chant communion, page 1006. Tu es là présent, livré pour nous. 1006. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le Vierge sainte, Dieu t'a choisi.
choisi les 4, 5, 7, 14. Vierge sainte, Dieu t'a choisi. Yeah.
Non, on ne peut pas me faire. On va y aller.